C'est terrible. Un peu là-bas. Comment ça, il suffit de battre Kaioken maintenant sous ma gueule là ou... Et bonjour à tous. Salut à tous. Des Kaioken au cast. Sur Radio SVB. Alors attention, je sais qu'en ce moment, Obia joue très campi, très time out. Et là, SD tout de suite depuis. On se sait d'anthologie. Et du coup, c'est. Mais campi, c'est facilement. Enfin, le Joker est bon pour ça. Ouais. C'est un truc où Obia va vouloir jouer comme ça. Parce que de toute façon, Didi a une range relativement limitée pour poser ses bananes. Mais Obia veut aussi faire sa merde. Ouais, je pense que c'est ses win conditions à lui qui veut au maximum optimiser ça. Là. Voilà. De ces mots, je vais l'éteindre. Oh, mais. Qui est Cam Ruby? Je sais pas. Mais écoute, je vais l'arracher, gros. Je vais le trouver. Je vais le clip. Parce que, pas le choix. Après qu'il ait dit ça, je vais le clip. Ah, il a oublié la mise à jour avec Marin, qui donne des IP des gens qui commandent le chat. Super. Bientôt, t'auras plus de ref. C'est sympa. On va retourner un peu sur le match. On va se revenir dessus. Et du coup, pour l'instant, on voit un match où Pumpkin se bat surtout contre lui-même. Hein. Ouais. Ah, et là, il s'est encore fait exploser avec ses propres barils, il a déjà SD une première fois. C'est vrai qu'il a souvent des missing put ou des choses du genre. Mais je pense parce qu'il veut jouer à 1000 à l'heure. Et que des fois, ça marche pas tout le temps. Ouais, et puis après, c'est un truc qui peut aussi bien lui réussir parce que c'est un match-up qui est pour Diddy Kong. Oh, très beau ça. Ouais. Et c'est des moments comme cela où il y a un désavantage qui est vraiment pas très bon. Ouais, ouais. Ce qui fait qu'il gagne à camper, mais quand Pum lui met la pression ou fonce en dessus de manière relativement réfléchie, ça devient vraiment compliqué, surtout ouais, Joker. Plus, il peut plus se poser, plus faire son camping tranquillou, ouais, je vois. Bah écoute, là pour l'instant, ça a l'air plutôt even. Stock de partout, 100% de partout. Après, là pour l'instant, le momentum est vraiment en direction Plumtil, hein, parce que là. Ouais, ouais, c'est clair. Et il a remonté deux stocks sans perdre son plein de la sienne. Donc Et non, il n'y a pas de problème sur l'overlay, c'est juste qu'Obia, il joue pas. Je pars mon doudou tout le temps. Mon doudou a bien changé. Ouais. Maintenant, il a un stand. Vous saurez dans Pokémon 3. Bah écoute, ouais, là, Pum qui est déchaîné, qui a réussi à reprendre le lead de la game. Bah, c'est ça, et puis qui rentre pour ça. En 40%, il a pris deux stocks et il est en train de bien gratter Obia sur la sienne. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est tu remarqueras qu'en Pum, il a de l'avance. Il arrête de faire toute singerie et d'un coup, il devient calme. Ouais, c'est ça, c'est dès qu'il... Ouais, ouais, là, il... Ah. On est parti pour un jeu de rythme. Oui, il assure à la mort une fois qu'il a l'avantage. Et là, il continue à bien appuyer sur les faiblesses d'Obia, hein, parce que Obia n'arrive pas à revenir, il est visiblement désespéré pour tuer, hein. Il galère complètement. Ouais, c'est ça, il galère à approcher, il dit bah vas-y, approche-moi, et il en profite. Le truc, c'est que c'est vraiment pas Obia d'approcher, enfin, c'est pas Pumpkin d'approcher maintenant, c'est Obia. Ouais, c'est ça. Et Joker en retard sans Arsène, il n'arrive pas à choper Diddy Kong. Bah écoute, je pense que Pum joue bien comme il devrait. Elle a Banane Smash. C'est le kill. C'est kill, ouais, efficace, simple. C'était carré hein, comme game. Il n'a pas eu que sa première stock, puis il a l'air de démarrer direct. C'est ça, c'est tant qu'il allume le moteur. Faut juste que Obia il sera adapt. La skip, il va. Tu vas prendre Puff, moi, Obia ? Tu vas jouer Puff. C'est Pumpkin qui a gagné la game alors que les fils du casque le faisaient chier, il était handicapé. Non, comme ça, c'est par là. Je tiens ma manette vers le bas, comme ça. Ouais. Et du coup, il s'est bien concentré. Hein. Ouais, c'est franchement, bien. Il a réussi à tout rattraper bien. C'est beaucoup de psychologique avec Pum. C'est une bonne avant-pensée au final, hein, parce que là. Ouais. Bah en fait, quand ça se passe bien, ça va le buff. Quand ça se passe pas bien, ça va le nerf. Et là, je trouve qu'il va falloir faire gaffe parce que le puff incite à un gameplay plus agressif de la part de Bia.
Et on sait que Diddy Kong, ça skin. Ouais, voilà, mais c'est surtout que s'il commence à prendre une, deux, trois dés, des vieux games ou des trucs du style, il va paniquer un peu, je pense. Mais je pense que Weapon, il devrait plus juger l'interaction telle qu'elle est, plutôt que de la juger avec son émotion et son ressenti. Parce que des fois, il prend des trucs, il est abattu, alors qu'il a juste pris un Minecraft ou une connerie de genre, tu vois. Bah, c'est peut-être surtout le truc, le problème qu'il a dans ce genre de situation, c'est que Puffin, c'est vraiment double tranchant. C'est quand il a son avantage, il est en mode putain, la vie est trop belle, je suis mieux aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et quand il perd cet avantage, qu'il se fait reverse, il a envie de se foutre en l'air. Il n'y a plus personne, ouais, c'est ça. C'est pour ça que, par exemple, pour parler des Minecarts, c'est lui arrive souvent de voir stand avec des combos pas trop. Par exemple, là, ouais. Il se fait reverse. J'avais vu faire un set, je sais pas si c'était contre toi ou contre la frappe, mais le set était plutôt even, ça se passait bien. Mais à chaque fois qu'il perdait une interaction, il pétait son crâne. Parce que c'était Steve en fait. Parce que c'était lundi dernier. Ouais, je crois. Ouais. Avec ouais, et il pétait son crâne. Mais en fait, alors que c'était even la game, et je pense qu'il aurait pas pété son crâne, il aurait peut-être gagné, tu vois. Ouais, il aurait peut-être une meilleure chance, mais c'est aussi un problème de pumpkin. Hein. C'est un joueur qui s'est quand même bien amélioré avec le temps. Hein. Diddy Kong lui réussit quand même. Mais maintenant, je trouve qu'il a un meilleur niveau sur son Diddy que sur son Daddy 2, il l'a dépassé. Hein. Et clairement, oui. Donc voilà. Il le trouve aujourd'hui, un site 4, c'est vraiment pareil. Oui. Mais Obia a du coup battu le seed de 3 pour arriver ici. Ah oui, il a timé, il a time out Warming. Warming qui était connu pour son Young Link, hein, maintenant qui est fond ZDSS. Ouais, il aime bien ZDSS en ce moment. Mais on sent que Warming déjà regarde moins de jeu qu'avant. Oui, oui, mais il joue plus par plaisir et moins par obligation entre guillemets, tu vois. Et ça, c'est bien. Ouais, c'est ça qui est bien. Si ça le fait kiffer, il se prend plus la tête, c'est ça qui est bien. Là, on en parlait, un Tom qui a tenté un stop mytho à force de rater des sports confirmes. Mais là, tu vois, son mood, il est descendu un petit peu, là, il a mis le smash, ça remonte. Là, il a taunt. Ah, là, il est au sommet du ciel. Là, il est au max. À double tranchant, hein, parce que s'il perd la stock très vite, il va s'en vouloir. Ouais. Mais écoute, ça a l'air de mieux se passer pour Obia, hein, qui maîtrise mieux Rondo Bia. Ouais. Ok. Oh là, c'était sublime. Magnifique. Belle phase d'avantage. Oui, il a gratté quasiment la stock entière. Je crois que c'était presque à 0 tout ouais, quasiment. Magnifique. C'est là qu'on peut poser aussi des questions quand même sur le parce que TC a un très petit blason sur les côtés. Ouais. Parmi les plus petits tags, peut-être Majville et DR, de mémoire, et PS2. Je pense que c'est quand même à l'avantage de Diddy, tu vois. Parce qu'en soi, Rondoudou, il va pas te tuer sur les côtés en smash ou quoi, il va te tuer sur le côté parce qu'il t'emmène avec lui, donc il n'y a pas besoin de bord court ou quoi que ce soit, tu vois. Bah, tu vois, je pense que c'est plutôt clairement l'avantage de bien, parce que il vole, donc c'est plus dur pour Pumpkin de mettre des forward smash, des back air, des fer et tuer sur les côtés. Et quand il va vouloir fuir par le haut, donc des anti-air ou des up smash, la blason est close. Là où sur les côtés, par contre, Obia a une touche et Pumpkin est close. Ouais, je crois. Mais c'est aussi valable de l'autre côté, hein. Parce que si Puff il prend un F-Smash au bord du terrain, mais ça explose aussi quoi. Ah, là. Ah, c'est dommage, ça aurait pu être un reste. Attention. Ah, là, c'est la salsa. Et Obia qui a carry avec sa stock d'avance, hein, qui a très bien joué. Ouais, puis vraiment, cette phase. C'est la deuxième phase stock de Pumpkin qui s'est fait vaporiser. Effacé, ouais, franchement magnifique. Bah écoute, il a bien joué. Hein. Très clean. Obia qui continue sur une belle lancée, hein, il se prend pas. Ouais. Que ce soit sur Joker ou Puff, pas ridicule, hein. il tient sa barre. Ouais. Je pense qu'il est plus serein sur Puff quand même. Peut-être plus à l'aise avec la personne, je sais pas. Mais... Ah, c'est clairement déjà plus simple de naviguer autour des blocks de Pumpkin. Et ça reste le perso avec lequel il joue plus longtemps, hein. C'est plus simple. Oui, oui. Les phases qu'on sait qu'il a mis avec la deuxième stock, il n'aurait pas pu les mettre avec Joker. Oui, c'est vrai. Et on va voir ce qu'il propose. Cette troisième game. Je peux plus là-bas. Moi non plus. Mais pour tout. Parce qu'on s'est fait. Un partout, hein. Ouais, c'est trop bien qu'il peut continuer sur le lancer, hein. Tout est possible en vrai. Non, je crois que c'est tout de suite qualifier de mémoire. Sur SBF, ouais, c'est quart de finale winner. Et du coup, SBF, pour relativement neutre comme map. Ouais, j'aime bien. Ouh ah, premier spike. Il va tenter le double spike interdit. Il a tenté de tremper deux poissons nuggets. Et là, c'est comme ça, reste des moments compliqués. En fait, c'est ces moments de stage qui sont un peu aussi pour eux. Obia avait clairement moyen de le retourner, de retourner ses phases. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt even les deux, mais c'est le premier qui rentre dans la tête de l'autre, quoi. C'est...
Voilà, par contre, c'est une belle ride de Bia. Mmh. Il a bien tendu ce forward smash, bien tendu l'air dodge. Il commence à comprendre un peu comment jouer comme Kino. Oh, très clean. Je pense qu'ils vont s'adapter l'un et l'autre au fur et à mesure de la game. Là, par contre, pour le coup, Ebia qui n'a pas intérêt à toucher le sol. Il a 10%, peu importe le smash. S'il prend une banane, c'est fini. Par contre, à l'inverse, Plum aussi, hein. Un edge guard et il n'y a plus de macaque. C'est vrai. Moi, je veux voir un donner reverse up tilt. Reste. Je veux voir ce combo. Ouh, dommage, c'était pixel. Oh, les interactions, qui sont spaghetti. Ouais, ça joue à Dragon Ball. Ça tue, ça va pro. On est vraiment à fond sur Sparking Zero ici. N'oubliez pas, les enfants, Sparking Zero au 10 octobre. Ouais, le split screen, mais que sur la map du temps. Et le DLC de Elden Ring dans 5 jours. Ouais, j'ai relancé Elden Ring il y a 2 jours pour justement me préparer au DLC. Moi, je vais me foutre en l'air parce que le DLC sort pendant la GG. Aïe aïe aïe. Et je vais te mairie, je ne penserai pas au DVE. Oh, tu sais où est-ce qu'ils l'ont mis l'entrée du DLC d'ailleurs? Oui. Derrière un boss que seulement 40% de... 3% de mémoire des joueurs battus. Les faibles. Alors, pour ceux d'ailleurs qui voudraient jouer Elden Ring, n'oubliez pas que pour ce boss en question, je ne sais pas de quel boss il s'agit. Mais le légendaire Get Me Solo Earth va aider des joueurs à battre le boss pour entrer dans le DLC. Let's go! Mais je crois que je l'avais déjà fait, c'est le faux gardien de l'arbre monde avec le trident. C'est ça. Ne spoilons pas. Et oui, c'est vrai qu'il est un peu dur, mais ça va en vrai. Ah, ça reste un boss. Ça reste un moment où il faut avancer dans le jeu. Quoi. Moi, je spoil le tout, il y a Ultra Ending derrière, voilà, il y a quoi. Voilà! Voilà. Le boss qui vient de DLC. Ah. Bon, concentrons-nous sur ce match parce que Obia a quand même une stock de retard. Hein. Enfin, Obia se fait tartiner. Voilà. Et Pum qui trouve ses bons confirmes, qui trouve des belles bananes. Ouais, puis là, Pum, il est sage. Oui, c'est vrai, il joue tempéré. Il joue tempéré. Il y a un anticyclone sur la map. Là, attention, la roll. Roll-in. Obia, en vrai, il peut rattraper. Il a déjà montré que s'il arrive à faire le tap comme ça. Garde. Ah, il aurait dû mettre un petit air. Le Pils. Voilà, ça continue. Hein. Le Pils, il fait que remonter, qui bourre ses side B. Pour essayer de contester un peu au bien. C'est pour être. Oh, attention. Et voilà, encore une fois. C'est... Je suis tendu là d'un coup. Je me dis que si Obia perd la stock, c'est mort. Mais s'il arrive à prendre la stock, il y a un monde où il gagne. Attention. Et non, ça meurt. Eh oui. 2-1 pour Pumpkin J. Peut-être qu'il aurait pu survivre la DI, je sais pas s'il était optimal. On en a eu, ouais, Pum était bien chargé en rage quand même. Ouais, c'est vrai. C'est sur un 110. 2-1 pour Pum. Magnifique. La graphique est des filles caractères, non. C'est quelle personne? Benton. Ok, nous sommes repartis. Magnifique, ça repart. Même perso. Même perso, même game. Est-ce que c'est la même map? Ouais, Calo, le classico de Pum. Classico de Pum, mais excellent map de Pum. Même si, on peut dire un peu adieu à ce Forest. Mais. Au gore, pas tant ça. Si je m'abuse, on a vu zéro reste. Hein, de... Pour l'instant, non, c'est hein. Pas les occasions qui manquaient, malheureusement. Le truc, en fait, c'est que les peuples à haut niveau aiment bien faire des mix de. Les mix avec les signes sur les plateformes. Et ils font même sur les plaques, ils te follow qu'un signe pour te forcer un reste. Ouais, ouais. Pour avoir un reste derrière. Ouais, il faut détecter quelque chose de Mabou, ouais. Et c'est un truc que vous n'aimez pas tant que ça. S'il n'est pas beaucoup les restes, les rôles de peuples. Il faut vraiment avoir un bon niveau pour faire justement des tech chase sur les plates et tout. Et je vois ce que tu veux dire. C'est très bien. Je crois qu'il sait mettre des donners reste. Au bon mix de Pum, il a bien tendu. Un petit délai. Là, pour l'instant, la game est en faveur de Pum. On sent que c'est son terrain. Mais en fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que Pum il aime bien cette map. Mais je suis pas sûr que ce soit celle qui lui convient le mieux. Tu vois. Alors, je pense que c'est aussi un truc qui me vient de son Adidou. C'était sa map préférée. Ouais. C'est une bonne map de Didi. Donc, c'est pas la foire non plus. Mais Didi aime bien avoir un peu de plateforme, c'était dommage pour mixer un peu ses déplacements. Ouais, je pense qu'il serait plus fort avec des petits plateaux au milieu, par-ci par-là. Par contre, là, bon choix de map, parce que sur une autre map, c'est tué. Dans notre match, le Bakir qui touche, et je garde peut-être. Et le gars qui touche. Bien vu ça, bien vu. Obia. Faut d'abord. Non, le Bayal. Oh, il a pris le post-mortem. Le French Sniper.
Ah ouais. Oh, go, Taga! Go, Taga! Il a pris le passeport thème, ouais. Go, Taga! Attention, il a une cacahuète. Oh, il a Z-drop la cacahuète. Oh, 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 oh. Mais c'est Ryu ou... Bien, Street Fighter! Double pari, into nerf. Double pari pour rien, mais ouais, maintenant ouais. C'est l'esprit. Écoute, là, il y a 30% partout, une stock partout. Comme qui restait devant, attends, pof. Oui. Oh, oh, oh! Petit derrière grave. Je sens qu'il s'énerve un peu là, Obia. Au moment où il finit ça, il prend un grand side B dans les joues. Là. Ouais, mais ils sont. Bah, là, il est un peu timide comme. Ah, je sens que ça l'a refroidi un peu, hein, les dernières fois qu'il a pris. Ouais, ça on parlait, un pomme qui se fait river, c'est un peu ma faute de vie. Et là bon, là c'est compliqué hein, parce que bon, comme là pour tuer c'est les smash. Et vraiment, attention comme qui... Il va falloir qu'il vise sa tête, et oui. Bon, faut vraiment que Obia punisse sa side B, hein, parce que ça rentre ici. Pum le fait trop graphiquement. Oui, c'est clair. Ça hein. Punit. Ah oui, parce que tu sais qu'une fois que Pum il commence à faire des side B dans tous les sens, tu t'attends forcément le prochain et tu le punis fort. Ouais, c'est Pum a raison dans les faits, s'il y en a un qui passe. Pas idiot, faut faire, je t'ai arrêté de passer. Hein. Ouais, c'est jusqu'à qu'il se fasse hard punish, après okay. Il arrête. Par contre, encore une fois, hein, Obia qui veut trop de jab-jab après ses donneurs en shield, pas qu'il grappe davantage. Mais je pense qu'il se sent safe, peut-être que si son donneur il loupe et qu'il jab, il peut sécuriser un petit peu ce qu'il peut faire. Ouais, probablement, hein. Puis voilà, c'est compliqué, parce que Pum tue fort à peu près n'importe quoi. C'est spawn. C'est ça, voilà, c'est la Zidikong, heureusement qu'il a pas que d'équipe pro non plus. On est pas dans Smash 4, il n'y a pas de boue. Ah. Bah là il est un peu en pression donc c'est sûr qu'il a envie de tuer pas mal. Bien vu, bien vu. La petite banane Smash. Et ton ref? Mais oui mais c'est mon frère, mais il m'envoie des messages. Il a dit qu'il a dit que tu vas bourriller quelque chose. Oui il a dit que t'allais m'arracher gros. Ouais. Et ouais. Bah, ouais. Du coup moi j'ai dit que j'allais être obligé de te clip pour rétablir l'honneur et tout. Alors par contre fais gaffe parce que t'as pas les boues. Tu sais que je vais rentrer, je vais alors, Kayo. Mettre Kazuya dans la gueule. Alors fais gaffe, parce que je rappelle que t'as pas lu contre mon Kazuya, il est meilleur que moi. Mais j'ai déjà battu lui, et non, il est pas meilleur que toi. Hein. Alors son Kazuya est meilleur, mais t'inquiète. Mais il a peut-être les meilleures confirmes que toi, mais en termes de niveau de jeu, il est moins bon que toi. C'est pas grave, attention. La ride de rôle, encore une fois. Regarde, ton rôle quand on tombe. Et lui, il fait trop le fou. Il est encore là. Je crois qu'il est parti plus tard. Il m'envoie des trucs. Eh, bannez-le moi, celui-là, bannez-le. Le message, il me dit ouais, t'as perdu contre Bowser, t'es une grosse merde. Ah ouais, c'est de l'amour fraternel, ça. Que... Alors attention, parce que ça peut être défensif. Non, je fais Desson. Desson. En signe de Paris. Rien à voir. Comment t'es là aussi souvent hein. Mais c'est tout d'avec fort. Et ça me il m'emmène pas autant. Et il est pas là, ça me fait train. Mais c'est ça, c'est une bonne idée. C'est vu que c'est dimanche, je peux prendre le train. Ok, ok. Oh là là, oh là là. Ouais. Donne-t-il faire. Et là c'est compliqué. Hein. Là, c'est le moindre confirme, c'est la mort. Si Pum gagne, il clôture le set. Hein. Oh, il a donné la banane. Oh, 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 il est stealth. Oh là, oh, le reste, il était parfait. S'il avait la phrase. Non, non, l'explosion des barils. Non, Kinji, 3-1. Enfin, je rêvais du reste sur la roll là, il aurait été exclusif. J'aurais adoré, j'aurais éclaté. Vraiment, je jouais à Popov. Ouais, la roll, j'ai fait une tête. On l'a tout vu, on l'a tout vu.